أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. Par ceux qui arrachent violemment. والناشطات نشطا. Et par ceux qui recueillent avec douceur. والسابحات سبحا. Et par ceux qui voguent librement. فالسابقات سبقا. Puis s'élancent à toute vitesse. فالمدبرات أمرا. Et règlent les affaires. يوم ترجف الراجفة. Le jour où la terre tremblera au premier son du clairon. تتبعها الرادفة. Immédiatement suivi du deuxième. قلوب يومئذ واجفة. Ce jour-là, il y aura des cœurs qui seront agités d'effroi. بصارها خاشعة. Et leurs regards se baisseront. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. Ils disent, quoi serons-nous ramenés à notre vie première? إذا كنا عظاما نخرة. Quand nous serons ossements pourris. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. Ils disent, ce sera alors un retour ruineux. إنما هي زجرة واحدة. Il n'y aura qu'une sommation. فإذا هم بالساهرة. Et voilà qu'ils seront sur la terre ressuscités. هل أتاك حديث موسى. Le récit de Moïse t'est-il parvenu? ناداه ربه بالواد المقدس طوى. Quand son Seigneur l'appela, dans Towa, la vallée sanctifiée. Va vers Pharaon, vraiment il s'est rebellé. Puis dis-lui, voudrais-tu te purifier? Et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes. Il lui fit voir le très grand miracle. Mais il le qualifia de mensonge et désobéit. Ensuite, il tourna le dos, s'en alla précipitamment. Rassembla les gens et leur fit une proclamation. Et dit, c'est moi votre Seigneur, le Très-Haut. Alors, Allah le saisit de la punition exemplaire de l'au-delà et de celle d'ici-bas. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Il y a certes là un sujet de réflexion pour celui qui craint. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? رفع سمكها فسواها. Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Et quant aux montagnes, il les a ancrées. Pour votre jouissance, vous et vos bestiaux.
Puis, quand viendra le grand cataclysme ? Le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé. L'enfer sera pleinement visible à celui qui regardera. Quant à celui qui aura dépassé les limites, et aura préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle jeter l'ancre ? Quelle science en as-tu pour le leur dire ? Son terme n'est connu que de ton Seigneur. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin.